Tout le plaisir est pour moi, Dr. Fillmore. J'espère être à la hauteur de vos attentes. Je n'en doute pas. Nous sommes ici aujourd'hui parce qu'il est enfin temps de nous affirmer. N'exagérons rien, Justin. Je n'exagère pas. Nous sommes en position de riposter, de nous affirmer pour de bon. C'est de ça qu'on a toujours parlé. Je vais résumer pour vous. Comme vous le savez, il y a des groupuscules dans le Commonwealth qui s'opposent aux objectifs de l'Institut. Notre recteur va déjà nous permettre d'augmenter la production de synthétiques, mais il nous procure aussi une puissance sans précédent. Le réacteur va sans aucun doute améliorer la vie de tout le monde. C'est une avancée majeure. Oui, mais ça ne se résume pas à ça. Le Conseil pense qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour assurer notre sécurité sur le long terme. Ne tournons pas autour du pot. Le Conseil d'administration a décidé que la confrérie de l'acier devait être éliminée. Comme vous dirigerez bientôt l'Institut, on tenait à vous informer de cette décision pour savoir ce que vous en pensez. Alors, quelle est votre position ? Je crois que la dernière chose dont l'Institut ait besoin, c'est d'envenimer la situation. On devrait s'efforcer d'éviter le conflit, pas de le créer. J'aimerais bien voir ce gros dirigeable disparaître à l'horizon, mais ça ne risque pas d'arriver. Le conflit nous touche déjà. À moins d'y mettre un terme au plus vite, ça ne fera qu'empirer. On n'a pas vraiment le choix. Si on veut avoir une chance de l'emporter, il faut agir sans tarder. Comme vous êtes à notre tête, c'est à vous d'organiser nos efforts afin d'accomplir notre objectif. On aimerait avoir votre avis sur la direction à prendre. Faut-il augmenter la production de synthétiques ou privilégier le développement d'armes ? Quelles seraient les conséquences de ce choix ? Je veux prendre une décision en connaissance de cause. Eh bien, si on augmente la production de synthétiques, on pourrait en déployer davantage dans le Commonwealth pour faciliter nos opérations. Le développement d'armes permettrait d'améliorer notre arsenal actuel, ce qui rendrait nos synthétiques plus efficaces sur le terrain. Sur quoi préférez-vous qu'on se concentre ? Vous savez quoi ? Je vais vous laisser trancher. Surprenez-moi. Bon, d'accord. Je vais y réfléchir. Ce sera tout pour le moment. Il me semble que Père a dit qu'il souhaitait vous parler après la réunion. La direction de l'Institut...